Hello, 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 ça fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis en train de vérifier, hein. Je ne suis pas en train de regarder sur ma gauche, je suis en train de regarder mon deuxième écran. Je finis de préparer. Partager un petit peu le... Ouais, ça par exemple. Normalement, ah oui, non, c'est vrai. Normalement, ça se partage automatiquement, sauf que là, j'ai un petit souci. Enfin, c'est pas moi, c'est le site. Ah ouais, excusez-moi, j'ai scotché sur la vidéo du fameux prêtre qui gifle un bébé, et en dessous, j'ai mis une bébé qui applaudit après s'être trempé la tête dans l'eau, après son baptême. Et donc, tiens, je regarderai ça après. Je suis un petit peu déboussolé. Je suis un peu fatigué en fait, je crois, c'est fin de week-end. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma page. Si vous voyez que je suis connecté, je vais pas commencer. Je vais pas commencer. Je vais pas tarder à commencer. Tac. Donc, partager sur ma page Facebook, c'est fait. Ensuite, Reddit, éventuellement Reddit, je sais pas, on m'a dit que oui, effectivement, il y a des gens qui utilisent Reddit. Donc, je le partage, mais j'ai jamais eu de retour de Reddit. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Si vous préférez, si vous n'aimez pas Twitch, vous pouvez toujours vous inscrire sur la page YouTube, puisque je partage également la vidéo sur YouTube en même temps. Hein, c'est sur les deux en même temps, bien d'accord. C'est pas télécharger sur l'un puis sur l'autre. Hein. Voilà. Au choix, donc je suis vraiment partout. Je me colle absolument partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Skyblog, je crois que. Okay, je vais recommencer Skyblog. Ah oui, mais ça change rien. Ouais, ça me gonfle. Tumblr, Pinterest, email. Donc après, c'est des trucs qui sont plus orientés vers la Russie. Alors, ça m'intéresse pas. Que la Russie ne m'attire pas, mais je suis pas forcément de bonnes touches, on va dire, avec les Russes, notamment certains qui essayent de pirater absolument tous mes comptes. Donc, comme je ne suis pas complètement idiot, pas complètement, vous noterez que je précise pas complètement, un peu idiot, mais pas complètement.
Donc les Russes et moi, j'évite de jouer avec. Ils m'intéressent pas. Pas tous, hein, forcément. Il en faut pour tous les goûts. Mais au moins, voilà, ça c'est fait. J'ai partagé ma page YouTube et Twitch. Donc je dois pouvoir trouver mes posts sur Facebook. Et je vais commencer une fois que j'aurai trouvé où j'en suis. Poum, ça c'est bon, je partage. Alors n'hésitez pas à partager aussi parce que ça m'aide vachement au niveau du social, de vous montrer, de toucher les gens. Partager, ça me permet toujours de rencontrer de nouvelles personnes et parmi ces personnes, des fois il y a des personnes intéressantes avec qui on peut discuter et des autres, des curieux qui passent, qui s'en vont directement, donc peu importe, mais c'est toujours intéressant d'avoir un tas de personnes différentes, des avis, des choses comme ça. Hein. Je partage un petit peu sur Facebook mes Twitch, enfin ma chaîne. Ici, je partage également ma chaîne YouTube. Je vais la mettre ici. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Partager ici sur un autre groupe, un groupe ZBrush bien sûr, puisque c'est dans la lancée ZBrush France, ça me paraît évident. ZBrush France, je crois que je vais avoir du mal à parler aujourd'hui. Game développeur ZBrush artiste, puisque je suis aussi un artiste. J'ai le profil de l'artiste, pauvre, avec du talent, mais pauvre. Donc, il n'y a pas de secret. Je suis un artiste. Et ZBrush Corner. Voilà. Pour ZBrush, c'est bon. Pour Unity maintenant, puisque le projet est également développé avec Unity. Donc, je pense qu'il y a des personnes que ça peut intéresser. Partager, partager, partageons. Non, pas sur une page que je gère, dans un groupe. Qu'est-ce qu'on a par Unity France? On a Unity Playmaker aussi. On a partagé Unity, Unity Game Dev, Unity Indie Dev. Faut pas être feignant dans ce métier. C'est difficile, c'est ça qui est difficile, je pense. Au niveau de la communication, faut pas hésiter à saouler un maximum de gens, à partager vraiment plus possible. Parce que dans le tas, il y a beaucoup de gens qui s'en fichent. Et il y en a quelques-uns qui s'intéressent. Donc c'est ça qui est pas évident. C'est pas du marketing, c'est pas de l'indie, c'est celui-là éventuellement, vidéo game développement. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou si vous êtes connecté sur la vidéo, que je puisse savoir s'il y a du monde. Et puis qu'on puisse entamer une discussion. Vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Ta ta ta, partagez, partagez, bien sûr. Dans un groupe. Alors j'étais sur Unity, on a quoi? Game Developer. Je sais pas. J'essaye des groupes des fois. Bon, la plupart du temps, c'est pas des groupes français, donc c'est pas évident. But if you want me to speak English, I can do it too. With or without an accent, because I can't speak English with an accent.
mais ça risque d'être un peu lourd. And so if you want me to speak English normally, I can speak normally. But my native language is French, so most of the time I'm recording in French because it's most natural for me. And it allows me to better talk. But if you have some question in English and want to know more about and discuss, no problem. I can speak like no. So just put a sentence in the chat and start talking what you want to say. Unity. Unity WebGL, Unity 3D, GDM, et celui-là, boum, ok. Et en avant Guingamp, et c'est parti, mon kiki. Donc aujourd'hui, mes amis, nous allons continuer le travail entamé la veille, c'est-à-dire, pour ceux qui ont suivi un petit peu, je travaille sur le projet. Un projet qui s'appelle Christopher Plum. C'est un infinite runner. Et donc c'est développé sur Unity pour une équipe hollandaise. Le design a été entamé hier. Donc vous voyez, je travaille sur ZBrush. Voilà. J'ai réalisé donc le visage sur la matinée d'hier. Et les cheveux sur l'après-midi hier. Mais si le design est sympa sur l'ensemble du truc, il n'est pas terminé. Donc il faut bien avancer. So, I am going forward. And today I will try to speak English because. Sometimes it's cool, and for my personal learning purpose, I think I can improve my language. So I will try to think English and talk and explain what I am in my head, what is happening in my studio, what are the plans and everything like that, and how I manage ZBrush. So you can talk in Twitch and YouTube. I have the chat for both channel. Facebook also, but Facebook there is nothing interesting here now. So if it's okay for everybody, just me. I am okay with myself, it's good. So let's go. The first thing I want to improve actually is the hair, because as you can see the density of the mesh is not very clean, so this is some visible parts. I don't like it. So I will start by cleaning this mesh, the skin, and when it should be really fast because there is not so much work to do in this part. So after this, I will start improving the eyebrows, and once the face will be done with the eyes, I will just start designing the body. And after this, I will get my complete character, so I think I'll be ready to start retopo, texturing, and finalizing with rigging and animating. But I'm not sure about the animation because the project has already some
character animation, so maybe I will, not maybe but sure, first try to use this animation for my character and check if the result is good or not. So if the result is not good, I will add and modify the animation needed for this character and to correspond to the game, to fit the game. So let's go. Enough talking and start working. First thing I want to do is just hiding everything around the hair, because I don't need anything. Okay. I don't need anything else than that. But now I can just focus on this part. And because the mesh is actually at its max of density, I will start by using Dynamesh, improve it. I start with 512. Let's go. Okay. Because this is a stylized character, this part who are really sharp needs to stay like that. So I will just start by pinch with a P. Pinch. Change this part and just try to get something clean. Should look like this. Should be good, as you can see. But there is some thing to check before going too far is the result behind this part, because when you pinch not only on the front faces, but also on the backward and the back does something, sometimes something really bad. So no hurry, no hurries. No hurries. Just keep it cool and fall back. Okay. No, I have played House of Notes yesterday, and each time I play this game, I stay focused on the sentences the people can say sometimes. And I want flatten to just, oops, flatten this part. And if you know House of Notes from Ronimo in Deutschland, I really like this game. This is a game I played for 5 or 6 years since the beginning. So I think this kind of game is really cool, because you can just take a few times before you can get fun. You get fun. You just play two, three, four times after. When you just play the first one, you will just want to continue to get another battle and get some fun. And the fight is not so easy, and this is a real point. The game is cool. It's just because you don't win every time. Maybe except if you just play some
some characters, because the characters have some skills, and some skills exist, makes the game really unbalanced. So if you just play with a strong character, with a bad team, sometimes you win, sometimes you lose. And this is really funny for me. I don't take care about you say that classment, final position, because I'm not very very good, but it's a really good way to unstress after a long and hard day of work. So, for this hair here, I just want to improve this part, make it some more visible. Visible. So, it will be like that. Oops, just change this one by flatten. Flattening this allow me to see better what it looks, how it looks. Looks good. And now the thing here is to really keep something strongly sharp in the stroke, you know. It means you can see this line here in the hair, and it need to be really straight. It is not realistic, it is just stylized. So it will be the same for everything in this character. So each object, each part, rounded part, needs to have this clean and defined direction. So behind this here is exact same problematic is to get and to keep the line clear, well defined, especially because this game is an infinite runner, so the character is most constantly seen from behind. And because it is seen from behind, it is also important to keep this here like this, well visible. And this is why I am just spending some time and work in this part. And once it is down, I will just unhide and use dynamesh mesh to keep the mesh cool, clean, cool. Doesn't matter if the mesh is cool. The only idea here is to keep the mesh clean. Yeah. And there is always some possibilities to keep it clean. And this tool here will help me to keep this hair like this. I just want to see it better. Keep the forms okay like this, just a bit inside here to break the line here, just a little bump I can see.
And okay. Next step. Hop. Dynamesh and clean the mesh. So yeah, I am using Salut Rimo. Ouais. Et je m'attaque à l'oreille et en anglais en plus. Donc c'est un coup double. Je vais faire combo aujourd'hui. So I am using this flattened brush here to keep some parts flat, but I also need to smooth some parts because the difference between the both brush is that at this angle flattened may be more useful because as you can see it also crush on the sides. And instead of smoothing, that will smooth the side. So it is a choice. Ouais, tout le temps. Ctrl, Alt et Shift. Pour ceux qui n'ont pas entendu la question, puisque je diffuse en même temps la vidéo sur YouTube. On me demande si j'utilise, si je jongle avec les touches CTRL et ALT. Donc oui, effectivement, CTRL, ALT et SHIFT ou MAJ. Voilà, alors... this is not an easy part here because this is a bit fuse from the head and the ear. This part is a bit complicated. So the best thing is to keep it really sharp and check slowly to see if the work is not wrong. But now it looks good. But here it is not okay. To improve the style here, I just want to mask this part like this. Yes, just ask me the question, Rimo. Don't hesitate. Et tu peux aussi la poser en français, bien sûr. Un stylet sans tablette, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Alors moi j'ai acheté un truc, j'ai un truc comme ça, il est là d'ailleurs, juste là. Bon, enfin c'est pas exactement ça, c'est un truc qui prend la poussière. C'est un carnet. Alors on me demande, hein, je dis pour ceux qui sont sur YouTube, j'utilise déjà un stylo pour Cintiq, d'accord? Cintiq, écran, voilà, tu dessines sur ton écran. J'ai aussi donc ce carnet qui, en fait, ici c'est juste un carnet. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dessous. Et c'est ce bloc ici qui permet, en utilisant n'importe quel crayon, d'enregistrer les mouvements du stylo.
Ensuite, on peut connecter via la prise USB à son ordinateur et récupérer le truc. Mais là, de ce que tu parles, ce truc, je n'ai pas, mais en fait, je suis très bien avec ma tablette. Je sais pas, peut-être si j'avais les moyens, peut-être je me lancerais un petit peu dans l'investigation du nouveau matériel. Mais là, j'ai pas vraiment besoin. Ou si vraiment j'avais besoin, j'irais plutôt vers une Cintiq, mais très grand format, quoi. Mais je suis pas assez riche en fait pour me payer des trucs comme ça. Mais tiens, mais si vous descendez la page Twitch, vous avez un bouton donate pour faire une donation. Et si vous me donnez suffisamment d'argent, je pourrai investir dans du matériel. Bon, enfin bref, je sais pas du tout parce qu'en fait je connais pas du tout le matériel dont tu me parles. As-tu par exemple un lien, bah, tu vas encore te prendre la tête avec les liens qui ne veulent pas s'afficher, mais aurais-tu un lien vers un exemple de ton produit en question? Dans ce temps-là, je vais lisser l'oreille, just like this. Smooth with a flattened ear. And smooth, slowly, ear. OK, and here. Okay. If I am right, this rounded edge here is enough to keep my ear styled. So I do it like that. And for this part also, just smoothing just a bit, not too much. To keep it really strong, and voilà. Just this part here to finish. It looks good, not perfect, but it will never be enough for me. So there is time. I have to say, okay, it's enough. And it's enough. No, there's always something to improve here. Oh, I have to stop because I'm going to try to find something really, really perfect. The perfection is never here. So, but for this part, it's okay. So I can go further and start checking this nose and mouth.
Should be like this, very really smooth, but just keep some edge enough, hard enough to draw the shape. And the lips now must be a bit sharpened here, like this. But as you can see from top, it is not good. Oh my God. Wrong action. Okay. For this part behind, I need to mask this so now I can work correctly. Without any risk to modify what I just did just before, and that's okay, and improve the lips, the bottom lips. Let's check. On my phone. Un stylet relié à une base sans fil permettant de numériser directement les notes, croquis désterilisé du papier, du... Ouais. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai. Donc, mais en fait, tu vois, j'en ai un et je l'utilise même pas. Je m'étais dit que ce serait super d'avoir ça pour bah, quand je suis dehors et que j'ai des idées, que j'ai besoin de faire des croquis et que quand je rentre chez moi, bah, je peux les mettre sur l'ordinateur. Sauf que déjà, d'une part, je sors pas autant qu'avant. Il y a une période où je faisais beaucoup de dessins, bah, c'est quand j'étais étudiant et que je dessinais à l'extérieur. Mais ce temps-là est révolu. Et même quand je suis à l'extérieur, que je dessine, bah, je dessine plus vraiment sur papier. Sinon, je dessine beaucoup sur carnet, des petits croquis comme ça. Mais c'est vraiment des prises de notes très ponctuelles. Donc, pas dans l'optique de garder le truc. Mais sinon, ça fonctionne, c'est plutôt sympa. Alors celui que j'ai, il a en plus une fonction qui est sympa, qui permet justement d'enregistrer les coups de crayon que tu fais au fur et à mesure que tu dessines. Ce qui après te permet de faire une vidéo de progression de ton dessin. Donc après, voilà, ça peut être intéressant. Alors là, vous voyez, you see, I cannot go further in the definition of the lips because I have not enough polygons. I have to subdivide it again with a better dynamesh, bigger dynamesh. So before I do this dynamesh, I just want to clean and smooth all the parts to remove the visual artifacts. Voilà. Really looks like a small gray, un petit gris, je sais pas, une tête de petit gris, une grosse tête, une tête peut-être. Ah, c'est le fils caché de. C'est le fils caché de Megamind, mais en blanc.
le son sur les trucs parce que je m'entends dire des conneries derrière. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce portrait de Nana sur Twitch que j'ai là? Je suis abonné à une chaîne. Une blonde avec des gros seins qui fait des bruitages. Qu'est-ce qu'elle fout? Ah, ça, comme ça. Amourante. Amourante. Bon, ok. Combien elle fait de followers? 32 000 vues, 1230 followers pour regarder cette nana qui fait juste rien en fait. Enfin, elle fait des trucs, elle touche des fleurs, elle est là. Avec ses petites fleurs dans un bocal. Puis il y a son micro, son casque avec un super paysage de rivière derrière. Je sais pas ce que c'est que cette chaîne, je sais pas pourquoi j'ai ça dans mes. Peut-être si. C'est juste une proposition, une suggestion de chaîne Twitch à suivre. Il va falloir que je l'enlève. Je sais pas si je peux l'enlever. Je vois pas l'intérêt d'avoir ça dans mes trucs. Bref, je reviens à mon travail. So. Alors. The lips hair can be. Just a bit bigger. Like this, it looks good. Du coup, bah, j'ai complètement oublié de monter ça. Je vais passer en 1024. Pinch. So I can pinch a bit the lips, so it should remove all the little bumps like this. It's okay. If it's okay for me, it's okay for you. Because I am the artist. Et after this, just a bit of move here to try to get something straight. Like this, looks good. Ok. And from behind here, they can see some bump also. So I want to clean it a bit. But if I am checking the model now, definition here is good. Do the same for the bottom lips. But this time I need some subdivision here to keep the top lips correct. So just a dynamesh and hide this part. And voilà.
Pour en revenir au sujet du stylo, je pense que c'est pas le genre de, bah, c'est pas le genre d'outil qui sert déjà dans ZBrush. Je pense pas que ça puisse servir à, et être utilisé efficacement pour travailler avec, voire pas utilisé du tout, puisque tu dessines sur papier, ça inclut que ZBrush répondra pas en temps réel sur l'objet. Et moi j'ai une Cintiq, une Wacom, une petite, la HD13. C'était la moins chère de la gamme des Cintiqs, hein, mais je la regrette pas, c'est un investissement pour moi, c'est quelque chose que je me suis acheté quand j'ai ouvert mon studio. Je me suis dit qu'il m'en fallait une de toute manière et ils l'ont sorti juste à cette période-là. J'ai sauté dessus comme j'ai tendance à faire dès que je vois un truc qui me. Que je me dis, waouh, il faut ça tout de suite, c'est qu'en général, il y a une raison derrière. Et je la regrette pas du tout parce que depuis 2015, elle tourne à plein régime, quoi. Je m'en sers pas tous les jours parce que je fais pas tous les jours de la modélisation 3D, mais au moins tous les jours en tant que deuxième écran, ça fonctionne nickel. Même si je trouve qu'elle est un peu petite, puisque j'ai un grand écran, je sais pas, il doit faire 17 pouces. Et que elle a une super bonne résolution, mais plus petite, donc je suis obligé, bah c'est pour ça qu'on me voit toujours en gros plan quand je fais quand je travaille sur ZBrush, je suis obligé de me rapprocher de mon truc. Donc du coup, le cadrage est un peu faussé à cause de ça. Néanmoins, ça reste du très très bon matériel, même si ma fille a un peu cassé pas longtemps après que je l'ai acheté. Enfin, elle était jeune. C'est des choses qui arrivent, mais casser pas grand chose, c'est juste le fil qui a été abîmé au niveau de la connexion. Alors elle a essayé de cacher le truc avec un scotch, croyant que papa y allait pas voir. Mais c'est la première chose que j'ai vue, c'est un sparadrap collé sur le truc. Je me suis dit merde, mais 800 euros, ça fait toujours mal au cul, mais bon, ça fonctionne encore. Ok, là, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si elle voulait imiter papa, mais enfin, en tout cas, elle s'est plantée. Maintenant qu'elles sont grandes, bah, la grande, elle veut imiter papa. Elle est à fond dans les jeux vidéo, elle lâche pas son ordinateur. Elle veut pas faire du jeu vidéo comme métier, elle veut faire du cosplay. Mais ça, elle dessine, la même passion que moi pour le dessin. Dessiner des personnages de jeux vidéo. On n'est pas sorti. Sa mère, elle gueule forcément. Sa mère, elle râle après moi parce que c'est moi qui la mets dans cet univers virtuel. Et je devrais pas. Donc j'ai rien fait. Autre chose à faire. Je vais essayer quelque chose. I try to do something here because I just want to add some jaw hair. Jaws. Et je trouve ça aussi très très cool, mais elle a que 13 ans maintenant, donc elle est pas non plus. En âge d'aller chercher du travail et de se prendre au sérieux et de s'emmerder avec la réalité de la vie, quoi. À 13 ans, ça encore, on a le droit d'en rêver, on a le droit de s'amuser. Et que je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'elle en profite. Parce que ça durera pas. Et puis ça passe à une vitesse. Ok. Funny like that. So I can just add some relief here. A small and a really smooth relief. Because when you smile, you have this jaw's hair, this skin can appear.
But because it's a kid, so the effect must be really, really light again. And voilà, again, another voilà. Les Américains et les Anglais aiment bien dire voilà. And voilà. Voilà, c'est français. Voilà, et tac. So, the next part. Just modification about this spot here because I just want to see it really good. Mais pour cette partie-là, on va dire que c'est bon. Si j'enlève les cheveux, on a ça. Voilà, c'est propre. C'est bien. Ça me convient en tout cas. Je retourne maintenant sur les eyebrows. Et c'est parti, mon kiki. Alors, pour cette partie-là, il va falloir faire un peu de move et rajuster l'extérieur, l'intérieur et le milieu. L'objectif étant d'avoir quelque chose de pointu mais qui ne ressorte pas comme c'est le cas maintenant. Et apparemment, j'ai pas fait de dynamèche. Ce qui va m'aider à garder cette forme, hop, quand je vais la modifier, avec plus de précision. Oula, 256. Voilà. Ok, pas trop gros. Et forcément, la symétrie n'est pas activée, donc déformation Smart Resim. Oula, Smart Resim encore. Bordel. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ok. X. Tac. X. Sim. Voilà. Et X et hop et hop, dynamèche. Ok. Ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de faire, je me suis rendu compte que la symétrie n'était pas bonne. Simplement, en utilisant le Smart Resim, ZBrush recalcule la symétrie par rapport à la géométrie qu'il a. Mais comme j'avais pas fait de symétrie lorsque j'ai fait le dynamèche n'était pas symétrique sur les deux sourcils, ce qui a causé un défaut au niveau du maillage. Pour corriger ça, j'ai refait un dynamèche en symétrie et réactivé le Smart Symmetry pour qu'il me retrouve la symétrie du dynamèche correctement. Maintenant, je vais augmenter en 256 le dynamèche et continuer à travailler là-dessus. Move.
Et voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un 256 en dynamèche et j'ai l'impression que j'ai encore moins de résolution que tout à l'heure. Bon, des fois je comprends pas toujours ce qui se passe dans ZBrush. Ça arrive que les dimensions soient complètement faussées. Alors le dynamèche, puisqu'on me pose la question, et je la lis pour ceux qui sont sur YouTube, j'entends souvent parler de dynamèche. C'est pour ajuster quoi? Uniformiser la résolution ou rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le dynamèche, en fait, c'est un processus qui va créer une enveloppe englobante de tous tes objets. Et en fait, comme une toile d'araignée, ça va venir se coller à l'objet et reprendre la forme. Et en fait, comme c'est une espèce de chambre de voxel, donc c'est des grilles carrées, tu as non plus un maillage qui est triangulé avec des directions, des diagonales et tout ça. Tu as vraiment un truc très quadrillé. D'ailleurs, on peut le voir ici si je zoome. Le résultat de mon dynamèche, voilà, c'est cet objet en quad. Alors ça sert pas à lisser, mais ça sert à reproduire le maillage dans une version plus propre pour expliquer concrètement qu'est-ce que c'est. Alors si je prends cet objet ici, qui a déjà une subdivision qui est assez propre, mais là vous voyez par exemple je vais tirer sur le triangle et là on voit bien que bah, l'objet il se déforme complètement à cause du manque d'information, c'est les points qui forment l'objet. En passant par un dynamèche, toute cette zone-là est projeté dans une cage de voxel, ce qui me donne un résultat plus propre. Ça refait la topologie exactement. Ça permet toujours d'avancer plus. Et après, dans ZBrush, ils ont encore fait les fous. Ils ont rajouté cette option qui s'appelle Sculpt Active. Merde, Activate Vache, la vache. Sculptrice Pro Mode. Donc, si vous connaissez Sculptrice, oh la vache, j'arrive pas à parler. Si vous connaissez Sculptrice, c'est un logiciel gratuit qui a été repris par Pixologic quand il est sorti, parce qu'il a une technologie qui lui est propre, qui permet justement de subdiviser en même temps que tu peins. Donc, ça subdivise ton maillage et ça a toujours une définition impeccable. Et donc, ils ont décidé de l'intégrer à ZBrush dans un mode où, effectivement, ben, quand tu as besoin d'ajouter du détail, tu actives ce mode sculptrice. Et boum, ça touche pas à la topologie, ça peut l'améliorer. Et enfin, ça touche pas à la topologie ici, ça touche à la topologie, c'est pas ça. C'est que ça crée des subdivisions là où tu appuies. Donc si tu as besoin de rajouter des détails, de l'écaille et des choses comme ça, à certains endroits mais pas à d'autres, ben, ça va subdiviser la portion de maillage sur laquelle tu as bossé. Mais depuis la version 2018, ils ont rajouté une tonne d'outils qui sont vraiment très 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 intéressants. Et là, bah pour le coup, pour cet objet, j'ai pas vraiment besoin d'utiliser la plupart. Mais c'est possible que quand je vais travailler sur les vêtements, il y aura peut-être des endroits où j'aurai peut-être besoin de faire des subdivisions plus précises pour ajouter des détails. Quoique ici, ce n'est pas vraiment le genre de personnage. Mais si j'avais à travailler sur un personnage hyper réaliste, c'est le genre d'option que j'utiliserais. Voilà pour les sourcils, pour eyebrows. Check. Ok. Je vais retoucher ici les cheveux puisqu'ils dépassent un petit peu, ils sont pas jolis.
pour la tête de départ, je suis alors et ta tête de départ, tu es reparti de l'ancien modèle, plus vieux ou un autre? Alors quand j'étais jeune, j'avais un visage plus jeune. Ma tête de départ. Non, je suis parti d'un autre modèle que j'avais entamé. En fait, j'avais dans l'idée de partir sur ce personnage. Alors, il y a un acteur qui passait dans la série, dans une série que mes enfants regardaient, donc ce personnage, avec ce... je l'ai modifié, je l'ai coupé en deux, je lui ai fait une espèce de grosse tête et je me suis dit, voilà, je veux que mon personnage il ressemble à peu près à ça. Et donc j'ai commencé à modéliser ce personnage de cette façon, mais en fait, quand tu pars sur un visage réaliste comme ça, tu n'as pas le même graphisme que si tu l'as dessiné. Donc, je suis tombé après sur le personnage dessiné par quelqu'un d'autre, hein, en regardant des vidéos comme ça, je suis tombé dessus, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux. Donc j'ai trouvé une vue de face, de profil, j'ai repris cette tête que j'avais commencée, et puis j'ai modifié donc pour que ça colle à ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin et aussi ce que j'ai envie que ça colle. Ah merde, il faut que j'aille sur les cheveux. Maintenant, merci pour le compliment encore. Maintenant que j'ai fait ça, je vais m'attaquer aux yeux. Alors pour les yeux, c'est un petit peu plus compliqué, puisque un œil, normalement, c'est rond, mais pas tout à fait. Donc il y a cette espèce de bulbe au-dessus de la rétine. Qu'on appelle la lentille qui vient prendre la lumière et la déformer, et la déplacer vers la rétine, enfin la déplacer, la conduire vers la rétine. Mais là, en cartoon, on s'en fiche de tout ça. On s'en fiche pas mal. Donc du coup, je vais partir sur... Un truc simple. Alors, ce que j'avais fait au départ, je l'ai toujours, il est là. C'est une copie des yeux, une demi-copie en fait. Mais là, on voit bien que la position des paupières par rapport à ça, c'est un peu mal foutu. Donc, je le délète, je le supprime. Et je vais ajuster cette partie-là directement. Alors si je le rentre, ça lui fait des petits yeux. Il a des petits yeux vicieux comme ça, j'aime bien aussi. D'apprendre à utiliser ce gizmo, c'est génial. J'adore quand je découvre des nouveaux trucs. J'étais toujours emmerdé quand j'appuyais sur le bouton centré, c'est que des fois le gizmo, même souvent, le gizmo se retrouve n'importe où, dans n'importe quel sens. Et en maintenant contrôle, en fait, ça permet de déplacer, de repositionner mon gizmo sans toucher à l'objet qui se trouve derrière. Ou alors c'est parce que c'est une sphère. Je vais faire un test. J'ai un doute, j'ai un affreux doute et j'ai l'impression de ne pas comprendre ce que je suis en train de faire. Et je ne supporte pas de ne pas comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que ça se trouve, je viens de vous dire une grosse connerie. Je vais le faire comme ça.
Ah ouais, c'est ça, j'ai dit une grosse connerie en fait. Ok. Bon bah j'ai rien dit. Enfin, j'ai dit une grosse connerie. Donc maintenir contrôle en orientant l'objet n'aide pas du tout à repositionner l'objet dans le bon sens. Enfin, pas le gizmo. Le gizmo dans le bon sens, je pense que voilà, c'est même pas ça. Ça non plus. Il a les yeux dans les oreilles. Sympa. Sert à quelque chose. Enfin, ça doit servir à quelque chose, mais à quoi? Il devait y avoir un reset, il y avait un reset avant, mais je pense que c'est sur autre chose. Je dois mélanger en fait les menus. Ah bah si, en maintenant Alt tout simplement. Ah donc c'est cette option-là qui permet juste de... Ah bah voilà, c'est ça. Ok. Ah bah non, ça marche pas. Ok. Ou alors il faut que je le laisse comme ça, mais... Je comprends rien. Ça débloque le truc. Ça, je suis d'accord. Mais ça fait rien, après ça revient en position initiale. Donc, ou alors je fais ça. Non, dès que je lâche la souris, ça revient. Bon, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Je pense que j'irai regarder sur la notice de ZBrush pour avoir plus de compréhension par rapport à ça. Je suis un peu perdu. Donc, je reprends sur mon personnage ici. Alors il y a une espèce d'ombre ici sur la joue qui me dérange, vu que j'ai voulu faire l'espèce de joue un petit peu en volume. Du coup c'est pas nickel nickel, ça se voit un peu trop. Faut pas non plus qu'il ait l'air d'un petit vieux, ce serait pas trop adapté. C'est le genre de truc après on va me dire bah non ton personnage. Il va pas, du coup. Même si on le voit de dos trois quarts du temps, c'est pas une raison. Voilà. Ici c'est bien. Tac tac. Alors un truc qui peut être aussi qui peut porter à confusion, c'est d'avoir mis des couleurs sur mon personnage. C'est pour ça qu'en général je le fais pas. C'est que ça peut donner l'impression d'une ombre ou d'une bosse ou d'un creux. Donc vaut mieux éviter de s'amuser à colorier son personnage pour la modélisation et vraiment attendre le dernier moment pour passer à cette étape. Et là, j'avais envie de m'amuser avec la couleur, et du coup, j'ai pas pu résister. Voilà. Tac, ça c'est fait. Je reviens sur mes yeux. Et mes yeux, je vais les modéliser correctement. Donc, si je fais un creux ici. Je vais réfléchir à comment je vais procéder. J'ai déjà une vague idée de ce que je vais faire, mais je dois le visualiser dans ma tête. En l'occurrence, ici, si je les avance, parce que c'est juste une sphère, si je les mets au milieu ou en arrière,
devrais avoir chose. Si je les déplace vers le centre ici, c'est pas joli, mais ce serait quand même mieux, plus approprié, disons. Faut trouver vraiment la position idéale. Et je vais pouvoir faire de la place derrière tout ça. Alors là, la complexité qui vient d'arriver, qui arrive maintenant, c'est que j'ai bien travaillé sur toutes les parties séparément, mais du coup, ça m'a obligé à beaucoup subdiviser mon maillage. Et pour la partie des yeux, je suis, comme je travaille dessus, quand je veux lisser mon objet, c'est beaucoup plus difficile à cause du maillage justement qui est plus dense. Donc en général, il vaut mieux éviter de faire quelque chose de trop finalisé, trop vite. Partie par partie, il faut mieux avancer sur l'ensemble du truc et penser à modifier avant de partir sur des étapes finales, comme je l'ai fait en dessous. Et sur les oreilles également. Alors, celui-là, je vais le dupliquer, boum, le grossir un peu et faire un clip dessus. Alors, le clip, je crois, c'est comme ça et ensuite comme ça. Alors si on lui met des sourcils, enfin des paupières dans ce sens-là, il a l'air triste. Donc c'est un truc aussi, il faut faire attention à bien orienter la position des paupières. Voilà, on est plutôt pas mal. Et ça, je vais le fusionner avec l'autre partie du corps. Alors, je vais jeter juste un petit coup d'œil sur Internet. Parce qu'il ne faut pas hésiter à s'arrêter pour prendre des références à droite à gauche, pour voir un petit peu comment on fait les autres, quand on ne sait pas trop. Et là, je me pose la question au niveau des sourcils, enfin des paupières, justement. Si je les fusionne, qu'est-ce que ça va donner? Si je les travaille de telle ou telle manière, qu'est-ce que je vais obtenir comme style visuel, graphique? Et qu'est-ce que moi je veux précisément? Et qu'est-ce que je ne veux pas, surtout? Donc pour cette partie-là,
Apparemment, le mieux, c'est vraiment d'avoir un trou au niveau de l'orbite oculaire qui va me permettre de dessiner cette paupière inférieure par-dessus l'objet. Je vais me lâcher. Ici, en plus, je vois la forme de l'œil, je suis pas du tout au milieu. Je suis pas bien placé au niveau de ses yeux. Ici, ce serait bien. Tac, voilà. Donc, du coup, pour les paupières, c'est pareil. Si je lui fais un regard comme ça, avec un creux comme ça, ce qui serait pas mal, c'est de lui faire un truc qui remonte comme ça. Si je regarde celui-là, ça lui donne quoi comme tête? Poum poum. Ouais. Ça peut fonctionner comme ça. Mais faire un truc très précis en fait, pour être bien. Et ça, je ne veux pas ça. Ça, c'est horrible. On a aussi comme référence, je pense à celui-là, qui fait partie de Big Hero, les nouveaux héros. On a parfois des bons designs au niveau des personnages. Pas ce que je cherche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Si je reviens sur mon dessin de départ ici en vue de profil, ben, j'ai même pas de paupière inférieure, ça reste quelque chose de très très simple. Je peux pas zoomer avec ce truc. Ici j'aurais juste donc presque trois quarts de l'œil, la forme de la paupière supérieure. Et puis le reste est en dessous et creusé dedans. Hein. Donc on va faire ça. On va se lancer, hein. Au niveau de la position du truc, des yeux. Du coup, bah, je trouve qu'ils sont trop écartés maintenant. Je vais masquer les sourcils parce que du coup, c'est eux qui me posent problème. Ils me gênent parce qu'ils vieillissent le personnage. Voilà. Puis il lui donne aussi un côté endormi, donc pas l'idéal. Voilà qui devrait être mieux. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça.
D'accord, donc là j'ai la position des yeux du personnage, ça correspond. Un truc plutôt pas mal. Mais comment je peux l'améliorer? Il faudrait, si je l'ai fait plus grand, il va avoir l'air plus jeune. Faut bien visualiser la taille des yeux. Ensuite, il faut pouvoir les mettre dans les orbites. Donc, je vais commencer par creuser. Je vais commencer à creuser le trou des yeux. Et pour creuser les yeux, je vais faire un masque. En transparence ici. Creuser cette partie-là. Ça me donne un œil comme ça. Alors, est-ce que la forme de mon œil me plaît? Ça comme ça. Que ce soit un petit peu plus arrondi, que ça remonte un petit peu vers là. Vers ici, cette position comme ça. Essayer. Tac. Ceci étant fait, j'ai plus qu'à ajuster au-dessus mes petits yeux, mes grands yeux plutôt, mes sourcils, tout ça, tout le matériel. Dessous pareil, j'ajuste la position de mon œil comme ceci et comme cela. Ok, on va essayer de faire ça comme ça. Et je vais pouvoir travailler maintenant sur cette cavité oculaire. Et la faire un petit peu disparaître, au moins l'atténuer par là. Ça partit en sucette de ce côté-là.
bien tranché avec les sourcils. Je vais les foutre en noir. Color object. Voilà. Je m'entends parler, mais je sais pas où. Ça doit être là. Je dois retravailler cette partie, toute cette partie-là au niveau de l'arcade sourcilière. Et donc, est-ce que c'est le bon outil? Ça devrait. Est-ce que c'est le bon objet? Ça l'est pas. Voilà. Donc là, je vais lisser tout simplement l'intérieur ici au niveau du cellion pour que ça devienne un petit peu plus lisse, plus fin. Qui m'oblige aussi à suivre la forme de la cavité oculaire, puisque là mon trou est légèrement trop grand, donc du coup il va falloir le boucher. Là c'est pareil. Que ça disparaisse. Comme ceci, voilà, je lisse. Je lisse de l'autre côté. Si je veux que mon personnage garde ce côté stylisé, il faut trouver quelque chose au niveau des yeux qui va permettre d'être dans le même esprit que le reste, c'est-à-dire quelque chose d'assez tranché. Mais comme c'est un visage de jeune, il doit avoir des traits très fins. Donc je vais bouger un petit peu tout ça, de manière à ce que ça disparaisse. L'intérieur, comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça marche pas du tout ce que je suis en train de faire? J'ai dû laisser le masque en fait sur l'intérieur de l'œil. Si ça marche. Alors je vais faire autrement. Ici je bouche un peu le trou parce qu'il est beaucoup trop large. Ce côté-là, je rapetisse, je rétrécis l'entrée de la joue. Et après, avec un flatten, cette fois, je reviens. Où est-ce que... demander qu'il me fasse ça.
dessine un petit peu la joue, la forme de la joue. Pas de la joue, pas de la joue, mais du sourire, pas du truc là. Enfin, je dessine quoi. Ouais. Ici, tac, je suis en train de lui donner une tête de cadavre. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est dommage, ça restera pas comme ça. Mais ça peut servir plus tard si j'ai besoin de faire un zombie cartoon. Je saurais que la méthode, la technique est pas compliquée. Donc, je prends un peu de recul par rapport à ce que je suis en train de faire parce que monsieur a des gros yeux et ça peut être gênant, le profil surtout. Et pour être bien, il faudrait pratiquement que cet œil ici commence là, qu'il vienne se mettre par-dessus ici comme ça. Puisse lui dessiner cette forme. Voilà. Comme les yeux m'embêtent à fond. Oula. C'était peut-être pas la chose à faire. Petit à petit, je vais réussir à obtenir ce que je veux. Faut être patient. Je vais sculpter simplement par-dessus ce que je cherche à avoir. Puis je retiendrai directement la forme et le bon résultat, j'espère bien. Faut que ce soit plus lisse au niveau du cellion là où j'ai creusé tout à l'heure, puisque maintenant
C'est beaucoup trop visible. Voilà, petit à petit, ça va devenir plus fin. Et quand ce sera à la bonne température, ce sera bon, ce sera cuit. Fermer un petit peu cette partie là, ça devrait m'aider en fait pour l'animation par la suite, pour la retopo surtout déjà avant. Et comme j'aimerais avoir une partie comment dire, plate au niveau de la paupière inférieure, je vais dupliquer la paupière supérieure, la retourner et je devrais obtenir le résultat, le bon résultat. Ensuite, alors la paupière qui est la paupière supérieure, il est trop épaisse. Ici, je la fais disparaître. Et là, on voit plus rien, c'est magnifique. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Ça commençait pas mal. Je retrouve un petit peu la forme du visage que je voulais. C'est pas évident parce qu'à partir du moment où on commence à creuser, commence à creuser véritablement dans le maillage, on va se retrouver pratiquement à coup sûr avec un visage creusé, dur. Donc ça va dénaturaliser le personnage.
des Des grands grands yeux yeux naïfs. naïfs. Donc Donc après, après, le le plus plus dur, dur, c'est c'est de de retrouver retrouver justement justement cet aspect, cette forme. Et il faut pas trop en faire non plus, quoi, c'est pas évident. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais dupliquer la paupière supérieure pour la mettre en dessous, faire une paupière inférieure, dupliquer, tourner. Comme ça. Tac, c'est vraiment un truc très très fin, très subtil. Il faut vraiment l'ajuster avec minutie pour que ça fonctionne. Là, on est pas mal, hein. Je pense que, je sais pas ce que vous en dites, je trouve qu'on est pas mal. Je vais la mettre de la bonne couleur. Voilà, j'ai meilleur aperçu de ce que je fais. Et je le déforme au niveau de la glande lacrymale pour laisser place un petit peu à la paupière supérieure, qui sont bien symbolisées par les cils. Et donc c'est suffisant pour se faire une représentation du personnage, enfin de ses yeux, tout du moins. Et comme j'ai bien fusionné mon truc, qu'il est bien placé, normalement de loin ça donne pas mal, je pourrais éventuellement lui rajouter des cils 3D et tout ça. Mais là, je vais fusionner avec celui d'en dessous. Et avec un dynamèche. Avec un maillage uniforme. Pour cet œil, et si j'enlève le masque, j'ai ça en dessous. Donc ça me convient. Je me pose la question par rapport à la paupière supérieure maintenant. Est-ce que je dois la fusionner ou la garder séparée? Dans un premier temps, je vais essayer de retirer les imperfections. Ce qui n'est pas une mince affaire. Apparemment. Puis je pense que je vais fusionner cette partie-là, comme ça me permettra d'avoir un seul objet, et pour la retopologie, ce sera plus simple. Je suis où là? Voilà. Et géométrie. Tac. Voilà. Visuellement, on n'a pas de différence. C'est parfait.
Ensuite, j'ai la possibilité de faire d'unifier les sourcils avec le visage, mais je les garde séparés volontairement pour pouvoir les déplacer après, indépendamment du visage. Peut-être je devrais en profiter pour les modifier un peu. Je vais tester parce qu'effectivement, je trouve que il a les sourcils un peu hauts par rapport au reste du visage, par rapport à ses yeux. Si je lui baisse ça, ça c'est plutôt pas mal. Ici, je pense que c'est la bonne position puisque trop haut, ça lui fait vraiment un grand espace entre les yeux et les sourcils. Trop bas, ça lui donne un côté dur, un côté malin. Que là, il est entre les deux, pas trop naïf, pas trop malin. Il a l'air sympathique. Donc, je vais laisser ça là. Deux fruits jolis jolis. Et je continue. Alors j'améliore un petit peu les imperfections. Je retire les imperfections qui sont apparues lorsque j'ai fusionné mes deux maillages de sourcils supérieurs et de visage. Et je vais considérer que c'est bon pour le visage. J'ai mon maillage. Je fais une sauvegarde. Et je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la mise en place du corps. Pour la mise en place du corps, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais partir d'un truc complètement à zéro. Repartir d'un maillage déjà existant puisque j'ai déjà fait le corps du personnage dans une autre version où il était beaucoup plus grand. Je vais essayer de partir là-dessus pour essayer de gagner du temps. Je vais aussi peindre les yeux avant ça. Standard You est là. Non, ça c'est mon smooth. Je vais peindre les yeux et c'est principalement visuel, encore une fois, histoire de poser quelque chose, donner une âme à ce bout de plastique. Alors le truc c'est qu'il faut mettre ça à fond. Et un peu au-dessus comme ça. Avec du noir comme ça. Et un petit point blanc comme ça. Et puis ça nous donne une idée déjà de ce qu'on peut avoir comme type de yeux, d'œil. Pour la version finale, alors je me rends compte au fur et à mesure de la vidéo que j'ai commencé en anglais, que j'ai parlé en français pendant une période, et que je ne sais plus trop à qui s'adresse la vidéo. Mais vu qu'il n'y a que des Français qui
vient de me parler, je vais considérer que il n'y a que les Français qui s'intéressent. Là, ça, c'est fait. Alors, je voudrais juste trouver un petit effet sur l'œil. À celui-là, il sera parfait. Matériel, color, fill object, et c'est tout. Maintenant, je reviens sur mon base matériel et mes yeux sont magnifiques. Une petite sauvegarde de Christopher Plum. Je sais pas pourquoi elle n'a plus la même. Le même nom. Voilà. Il a une bonne tête, le bonhomme. Donc, je stoppe la vidéo là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le, sur le corps du personnage. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir participé. Merci à toi, Rimo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Alors, n'hésitez pas à liker, parce que c'est toujours sympa de voir qu'il y a des personnes qui suivent, qui aiment ou qui n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, vous me le dites. Si vous voulez suivre et être au courant des prochaines interventions, inscrivez-vous. Connectez-vous et vous serez averti directement des prochaines vidéos. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et en vous souhaitant un bon week-end à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao tout le monde!